Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire de My Happy Job by Moodwork sur la santé au travail. En fait, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que on est le 28 avril et c'est la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Donc on s'est dit que c'était parfaitement d'actualité pour vous retrouver avec plusieurs startups du Lab RH pour vous présenter à la fois les enjeux, les tendances et puis faire un petit peu de prospective pour voir un petit peu dans les années à venir ce qui se dessine comme modèle en matière de prévention de santé au travail, à la fois santé physique et mentale. Donc, je vous rappelle juste un petit peu le fonctionnement de nos webinaires. Donc, on va passer à peu près 45 minutes de débat, d'échange. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions par l'onglet questions et vous pouvez aussi dialoguer par le chat, nous dire bonjour, ce que vous faites, où vous êtes, vos fonctions. Et puis, n'hésitez pas aussi à profiter du chat pour partager vos expériences, vos témoignages. Et du coup, ça nous intéressera, on réagira. Le but, c'est vraiment de répondre aussi à vos questions et que le webinaire soit le plus interactif possible. Je vais vous présenter les quatre invités. Donc, je vais le faire par ordre alphabétique, comme ça qu'il n'y aura pas de jaloux pour commencer. Donc, bonjour Gaëlle. Bonjour, bonjour à Gaëlle, tous, bonjour bienvenue. Fabienne. Ravie, bienvenue. Tu es la fondatrice et la dirigeante de Yes We Share. Alors, en un mot, Yes We Share, c'est quoi? Alors, Yes We Share, c'est une start-up qui conçoit des solutions digitales à impact, essentiellement sur les sujets de prévention santé, qualité de vie au travail et puis les champs de l'égalité et de l'inclusion. Très bien. Mariana Caillot, bonjour. Bonjour Fabienne. Tu es la fondatrice et la dirigeante de Doliparm. Même question, en un mot, Doliparm, c'est quoi? Doliparm, c'est une application digitale qui permet aux employeurs de prendre soin de la santé de leurs collaborateurs. Très bien. Bonjour Léopold de Denis. Salut Fabienne. Tu es le fondateur de Moodwork et tu es aussi administrateur au Lab RH. Donc en une phrase, en un mot, comment tu résumerais Moodwork? Alors Moodwork, on accompagne un peu plus de 100 000 salariés dans leur démarche individuelle de santé mentale au travail grâce à une application web et mobile. Et le Lab RH, les intervenants connaissent bien, on est une association qui regroupe plus de 250 startups et un peu plus de 50 grands comptes dans le but de promouvoir l'innovation RH dans les grandes entreprises. Merci. Nathalie Willard, bonjour. Bonjour. Tu es la fondatrice de Coach for Ice, dirigeante aussi de cette start-up. En quoi ça consiste exactement, Coach for Ice? Alors, Coach for Eyes, en fait, développe des solutions innovantes pour protéger la santé visuelle des salariés qui sont de plus en plus exposés aux écrans et donc avec des conséquences en fait dramatiques sur leur santé visuelle. Très bien, et je finirai ce tour de table par moi-même. Donc, je suis Fabienne Broucaret, la fondatrice de My Happy Job by Moodwork, qui est un média en ligne dédié à la qualité de vie au travail, au bien-être au travail. Donc, pour resituer un petit peu le sujet, on va parler de santé préventive, en quoi c'est un enjeu aujourd'hui majeur pour les ressources humaines. Gaëlle, j'ai une première question par rapport un petit peu au contexte. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui la santé est vraiment un enjeu majeur et peut-être encore plus après 2 années de crise? Pourquoi les entreprises doivent-elles s'en soucier? Alors, on est aujourd'hui dans une période où on constate globalement que la relation entre l'entreprise et ses collaborateurs, elle s'est un peu distendue, elle est un peu devenue volatile. On sait qu'il y a des métiers qui sont en tension avec des difficultés de recrutement. On parle de guerre des talents. On parle même de Great Resignation aux États-Unis, même si en France, on ne peut pas exactement dire qu'on constate le même phénomène. Mais en tout cas, l'entreprise, elle a, dans sa relation et dans le parcours de ses candidats, puis de ses collaborateurs, des sujets d'attractivité, des sujets d'engagement et des sujets de fidélisation. Et donc pour ça, elle a plusieurs leviers, parce que ce sont des sujets qui sont devenus essentiels pour les collaborateurs, dans le fait qu'ils choisissent de rejoindre une entreprise, de choisir de s'y investir pleinement et d'y rester. C'est l'alignement de leurs valeurs avec celles de l'entreprise, le fait d'y trouver du sens, le fait que ces valeurs, elles soient incarnées. Et c'est-à-dire qu'elle soit véritablement portée et appliquée concrètement avec une symétrie des attentions, c'est-à-dire pas seulement dans le discours vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis des clients, mais aussi à l'interne vis-à-vis des collaborateurs.
Et dans cette question-là, il y a bien entendu le fait de prendre soin des collaborateurs et de leur santé, qu'elle soit physique et mentale. Et depuis maintenant 2 ans, ça s'inscrit dans un contexte où le télétravail est devenu beaucoup plus important et où en plus, on a beaucoup plus qu'avant des questions liées au lien social, au management, à l'articulation entre vie pro et perso qui peuvent avoir un impact notamment sur la santé mentale, des sujets aussi de surconnexion qui peuvent impacter à la fois la santé mentale et la santé physique, et puis des sujets de sédentarité, d'aménagement des postes de travail qui là ont plus un impact vraiment essentiellement sur la santé physique. L'ensemble de ces sujets vont aussi poser des enjeux d'égalité parce qu'on n'est pas tous égaux dans le télétravail et donc on ne va pas avoir le même espace pour s'installer, on ne va pas avoir le même espace pour avoir les enfants qui sont un petit peu éloignés, donc pour s'isoler, pour travailler, etc. Donc des gros enjeux d'égalité. Au-delà du télétravail et des périodes successives où il a été très intensif et plutôt subi et pas forcément préparé, on s'inscrit de toute façon, même pour les entreprises où le télétravail n'est pas forcément appliqué de la même façon, dans une tendance de digitalisation des activités, qu'elle soit à l'attention des clients, mais du coup aussi vécu en interne, puisqu'il y a de plus en plus de choses qu'on produit en étant devant un écran assis, et donc où on retrouve des choses très similaires aux questions qui se sont posées de façon très intense depuis 2 ans. Oui, on le voit, les enjeux sont nombreux. Nathalie, Gaëlle parlait du télétravail, de la digitalisation, pardon. Concrètement, quelles conséquences a eu la crise ? Parce qu'on peut se dire que le plus gros de la crise est derrière nous, donc tout va bien. Mais concrètement, est-ce que tu peux nous dresser un petit tableau, un petit peu des conséquences sur la santé qu'a pu avoir la crise du Covid-19 et ces 2 années passées beaucoup en télétravail, mais d'autres conséquences aussi ? Alors, effectivement, tu as raison, en fait, Fabienne. La crise du Covid, en fait, ça a été une situation compliquée parce qu'elle était, elle n'était pas prévue. Elle n'a pas été anticipée, en fait, en amont. Et du coup, elle a laissé, en fait, une empreinte médicale durable. Elle a fragilisé, en fait, sur le long terme, la santé des collaborateurs. Gaëlle en a parlé tout à l'heure. Voilà, il y a un certain nombre de conditions de travail qui étaient inadaptées, l'hyperconnexion, la perméabilité vie pro, vie perso, etc. Tout ça, au final, ça se ressent en fait dans les chiffres. Et aujourd'hui, le budget annuel qui est dépensé par les entreprises françaises pour la santé, c'est un budget énorme. C'est 100 milliards d'euros par an. C'est l'équivalent de 4% du PIB de la France. Donc, c'est pour vous dire en fait que c'est un gouffre aujourd'hui. Et donc, c'est à la fois un gouffre pour la santé mentale, et on le voit dans les chiffres suite à une étude en fait de Malakoff-Médéric, la détresse psychologique en fait, elle concerne aujourd'hui 44%, donc près d'un salarié sur deux est concerné en fait par cette détresse. Et on estime aujourd'hui à 18% en fait le nombre de salariés qui auraient vécu un épisode de burn-out au cours de sa vie professionnelle. Ça, les RPS aujourd'hui, donc risques psychosociaux, c'est la deuxième cause des arrêts maladie en fait en 2021. Donc c'est pas anodin, c'est vraiment une problématique. On constate aussi en parallèle qu'il y a en 2021 une augmentation de plus de 18% des maladies chroniques. Alors, les maladies chroniques, c'est quoi ? Ben, c'est des maladies cardiovasculaires, c'est l'hypertension artérielle, c'est l'asthme, etc., et certains cancers. Aujourd'hui, près d'un salarié sur trois est touché en fait par une affection en fait de longue durée. Donc là aussi, c'est aussi des éléments qui sont importants. Et toute cette situation un peu négative, elle va se ressentir au final sur l'absentéisme, qui est en augmentation de plus de 30%, ce qui correspond en fait à un peu plus de
de 17 jours par an d'arrêt maladie et par collaborateur. Et puis, on se rend compte aussi sur l'étude de Malakoff-Médéric que les arrêts maladie de longue durée sont aussi en fait en progression. Donc ça, c'est aussi important de le préciser. Et on parle aussi de présentéisme pour un quart en fait des collaborateurs. Donc en fait, un engagement invisible. Mais c'est pas tout. Il y a aussi sur la slide suivante d'autres éléments qui sont intéressants et qui vont toucher en fait là plus la santé physique avec un épuisement qui est ressenti en fait pour près d'un salarié sur deux depuis la crise sanitaire, une augmentation des TMS qui représente aujourd'hui 87% des maladies indemnisées par la CNAM. Et puis on a parlé toujours tout à l'heure d'hyperconnexion, la problématique de la fatigue visuelle et je suis bien concernée en fait par cette problématique là concerne aujourd'hui plus 70% des salariés qui travaillent toute la journée sur écran. Donc c'est aussi une problématique qui est peu adressée mais qui est en forte augmentation, plus de 5 points depuis la période avant Covid. Et Nathan vous a mis aussi une référence dans le chat sur une étude d'empreinte humaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait des baromètres tout au long de la crise et après, donc la dernière date du début d'année. Donc, c'est assez intéressant de voir, en effet, ça montre exactement ce que tu dis, hein, Nathalie, c'est-à-dire le nombre de burn-out, la détresse psychologique et l'impact durable. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tout ne s'arrête pas avec la fin des mesures restrictives sanitaires, c'est qu'il y a un impact bien au-delà de ces deux années de crise. Mariana, quand on s'intéresse à la télémédecine, là aussi, on peut se dire que les deux années de crise ont clairement accéléré les choses. Quelle tendance se dessine un peu pour les entreprises aujourd'hui ? Pour reprendre en fait le sujet, je pense que déjà la crise sanitaire elle a transformé le lien entre employeurs et salariés sur le sujet santé. Avant la crise sanitaire, on pensait que c'était un sujet tabou. Que la santé n'avait pas sa place en entreprise ou en tout cas que l'employeur n'avait pas été au courant des problèmes de santé de son salarié. Je pense qu'on a vu une évolution marquante en la matière. La télésanté et la télémédecine, elle s'est beaucoup développée. Déjà parce que le collaborateur est chez lui et que l'entreprise a essayé de développer cet accompagnement dans une période de crise sanitaire, confinement et accès à l'eau de santé qui s'est réduit. Mais d'un autre côté, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un vrai accompagnement santé qui s'insère dans l'entreprise, que ce soit via la télémédecine, via les rendez-vous praticiens directement en présentiel au sein de l'entreprise. Il y a une vraie volonté, en tout cas, d'accompagner le collaborateur sur cette dimension santé. Parce qu'on a parlé du coût que ça représente pour l'entreprise. Ça représente le facteur fidélisation que ça peut avoir pour le collaborateur. Donc, on est clairement dans une dynamique de compétitivité et de fidélisation de compétitivité de l'entreprise, fidélisation du collaborateur. Je rallume mon micro, c'est mieux. On voit vraiment que les enjeux, en effet, sont à la fois pour les individus, mais comme tu le dis, des tabous sont aussi levés aujourd'hui en entreprise et ça a clairement fait avancer les choses. Justement, quand on se dit qu'aujourd'hui, les choses ont évolué, on a parlé de l'impact de la digitalisation, du télétravail. Nathalie a donné beaucoup de chiffres justement pour montrer un petit peu les conséquences de la crise. Léopold, on se dit qu'aujourd'hui, il est urgent d'agir parce que sinon, les risques sont vraiment très importants. Si tu devais mettre en avant les risques principaux, les points de vigilance en matière de santé mentale au travail, qu'est-ce que ce serait ? Alors, la première chose que je ferais déjà, c'est d'éviter, quand on est au niveau d'une entreprise, de prendre des chiffres qui sont très généraux. Ils sont très intéressants pour comprendre le phénomène au niveau sociétal, mais au niveau de l'entreprise, chaque entreprise a ses spécificités parce que chaque entreprise a sa culture, sa façon de travailler, etc. Donc, en tant que RH, il ne faut surtout pas se dire « Ah, c'est ça le grand problème actuel, je vais essayer de le traiter en interne ». La première chose à faire, c'est de comprendre au niveau de son entreprise quelles sont les problématiques auxquelles on doit faire face. Donc, bien sûr, et autre chose sur l'aspect digitalisation, toutes les conséquences ne sont pas que négatives pour voir un petit peu le côté positif des choses. Moi, je crois qu'il y a trois grands phénomènes sur lesquels j'aurais aimé revenir ce matin. Le premier qui a été vraiment, qu'on a tous énormément ressenti, soit pour soi, soit pour des gens qui sont proches, c'est l'isolement. Avec le télétravail, avec les confinements et aujourd'hui avec
un modèle hybride, on peut avoir des salariés qui ont un sentiment d'isolement. Ce qu'on a constaté et que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est perçu de façon très négative par les salariés dont l'aspect sociabilité dépend de leur vie d'entreprise. Si vous avez, je vais donner des exemples bêtes, hein, si vous avez une famille dont vous êtes très proche, une famille, etc., et que quand vous êtes en télétravail, vous êtes proche d'eux, bah, l'aspect sociabilité que vous avez perdu avec votre entreprise va finalement assez peu vous impacter, et vous allez même peut-être avoir un aspect positif, c'est que vous allez plus voir vos proches. À l'inverse, des personnes, et c'est pour ça qu'on a souvent parlé des jeunes qui peuvent parfois vivre seuls, etc., être potentiellement loin de leur famille, ben, ces gens-là sont ceux qui vont le plus subir, on va dire, cet aspect d'isolement. Donc, je pense qu'il est très important quand on décide dans une entreprise de se dire ben, moi j'ai envie de lutter contre l'isolement, de savoir exactement qui sont ces salariés pour savoir si on est en train de mener le bon combat. Et c'est vraiment généralement une des grandes problématiques de la qualité de vie au travail, c'est que parfois on peut regarder la situation de son œil RH et bien sûr de son œil personnel, donc avec un biais, et se dire bah, moi vu que je vis ça, les autres le vivent. Attention, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. L'objectif du RH, c'est de se dire quel est le problème que rencontrent, quels sont le ou les problèmes que rencontrent mes collaborateurs et comment est-ce que moi je peux y répondre. Ensuite, la deuxième chose que l'on a pu constater, et là en fait c'est via des chiffres qu'on a pu voir sur Moodoor grâce à nos outils d'auto-évaluation, ça va être des problèmes entre l'équilibre vie pro-vie perso. Quand vous avez, on va dire, un temps de trajet entre chez vous et votre travail, bien sûr, ça va permettre de faire une rupture. Et quand vous arrivez chez vous, vous n'allez pas vous remettre à travailler. Quand vous êtes déjà sur votre lieu de travail, et bien parfois, les horaires de travail vont s'allonger. Très bizarrement, il y a beaucoup moins de pauses. Quand on a fait la différentielle de nos outils d'auto-évaluation sur Moodwork pré-Covid et en cours de Covid, les gens, en fait, leur principal problème, c'est qu'ils ne prenaient plus de pause. Ils sont derrière leur ordinateur et en fait, vu qu'il n'y a pas le collègue qui dit bah, « on va faire une pause café, on va aller faire un tour dehors, etc. Et », en fait, les gens se sont mis à prendre beaucoup, beaucoup moins de pauses. A contrario, et parce que j'aime bien quand même rappeler les aspects positifs, les gens se sont sentis beaucoup, beaucoup plus autonomes. Donc, on va reprendre la citation de Spider-Man, avec de grands pouvoirs et viennent de grandes responsabilités, bah, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et enfin, moi, la dernière chose qui m'a marqué, et je dis ça parce que c'est un sujet qui nous touche particulièrement chez Moodwork, c'est la détection des risques. Et quand je parle de risques psychosociaux, donc tout ce qui est lié, on va dire, à la santé mentale, c'est que lorsque vous êtes seul chez vous, c'est beaucoup plus difficile pour vos collègues de déterminer ou d'identifier des risques. Quand on va au bureau, on voit un collègue qui mange plus avec nous, qui arrive plus tôt ou qui arrive plus tard, qui repart plus tôt ou qui repart plus tard, ou qui a du mal à s'exprimer auprès de ses collègues, ou qui raconte des choses très négatives, etc. On arrive à le détecter. Quand on est en visio, bah déjà, j'ai envie de dire un petit peu poker face, on ne voit pas exactement les émotions des gens qui sont avec nous en visioconférence, et on n'a pas tous ces instants, on va dire, informels dans lesquels on peut échanger un petit peu plus en détail sur comment tu vas, comment tu te ressens, etc., comment tu ressens la situation, etc. Donc aujourd'hui, on va dire le phénomène de détection des risques, il est beaucoup plus porté par le collaborateur lui-même qui doit être en capacité de savoir si oui ou non il vit bien une situation, si oui ou non il a besoin de soutien, si oui ou non il a besoin de parler aux autres. Auparavant, bah, ça se faisait de façon un petit peu plus naturelle. Et donc, pour la partie, on va dire, comment est-ce qu'on peut prévenir ça, je crois qu'on y reviendra plus tard, mais j'ai hâte de vous en parler. Et on a une question, je rebondis sur la santé mentale et sur ce que tu disais, c'est-à-dire que selon le secteur d'activité, selon l'âge de nos collaborateurs, selon la culture de l'entreprise, les risques ne vont pas forcément être les mêmes et les solutions du coup non plus. Il y a Céline qui nous demande, est-ce que selon les secteurs d'activité, il y a des différences en matière de santé mentale et notamment, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus en avance ou est-ce que pour toi, ça dépend vraiment de l'entreprise? Quelle différence on peut faire selon le secteur d'activité? Alors, moi, ce que je dirais, c'est que déjà, il y a des secteurs d'activité qui partent avec un désavantage, que ce soit en matière de santé physique ou en matière de santé mentale. En matière de santé physique, votre métier, c'est, la manutention, vous portez des choses lourdes, bah, directement, l'impact sur votre santé physique va être différent de si votre métier, c'est de faire livreur à vélo parce que c'est bon pour votre santé, à part si vous faites un accident, bien sûr. Et bah, en matière de santé mentale, c'est pareil. Je vais donner un exemple.
Si votre métier, c'est d'être vendeur, vous allez pouvoir potentiellement avoir des violences externes importantes. Si vous êtes dans une entreprise surtout qui est en dysfonctionnement et que vous êtes en face à face avec le client, ça va être beaucoup plus dur à gérer. Donc de base, on a, on va dire, un terreau qui est plus ou moins dangereux, risqué pour le collaborateur. Ensuite, en fonction des secteurs, a priori, il y a des différences. C'est-à-dire si vous êtes dans le secteur industriel, santé physique, plus importante. Pour ce qui est des entreprises, moi, je pense que c'est là que tout se joue et toute la différence se joue. C'est est-ce que l'entreprise pense que c'est un sujet légal, auquel cas elle va faire le minimum légal. Et la question, c'est de savoir est-ce que pour l'entreprise, c'est quelque chose d'important qu'elle va intégrer dans sa culture, auquel cas il va y avoir une différence qui est très importante. La qualité de vie au travail, il y a beaucoup de personnes qui se disent si j'ouvre la boîte de Pandore, ben en fait, j'en aurai beaucoup plus. La vérité, c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est que si vous ouvrez la boîte de Pandore, vous allez voir quels sont les problèmes et vous allez essayer de les gérer. Et rien qu'en faisant ça, vous allez avoir un impact positif sur la santé mentale et la physique de vos, santé mentale et physique de vos collaborateurs. Je pense personnellement que c'est en investissant dessus, et donc c'est une différence qui se fait par entreprise, par sensibilité sur le sujet, que toute la différence se fait. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, on a lancé depuis le début de l'année avec MyEpiJob des livres blancs par secteur, et on voit que vraiment il y a des entreprises qui bougent et qui font des choses dans tous les secteurs. Et c'est, il n'y a pas un secteur qui va bouger. Par contre, en effet, les enjeux vont être un peu différents. Mais c'est quand même intéressant, je trouve, qu'à partir du moment où voilà, la direction est impliquée et veut faire des choses, il peut se passer des choses, qu'on soit dans une entreprise de nettoyage, dans du retail, dans de la banque ou de l'assurance ou dans du BTP. Donc c'est aussi assez rassurant de voir des bonnes pratiques un peu partout. Et justement, alors Nathalie, tu voulais nous présenter notre collègue du futur, c'est-à-dire que si on ne fait rien, tu voulais nous présenter Emma, et voilà à quoi on va ressembler dans quelques années si on ne prend pas soin de nous et si l'entreprise ne prend pas soin de ses salariés. Exactement. Alors, comme disait en fait Léopold sur la partie santé mentale, il y a aussi un certain nombre de risques sur la santé physique. Et du coup, il y a la société Fellows, une société en fait anglaise, accompagnée de William Hyman, qui a mis en place, qui a décrit en fait Emma, l'employée en fait en 2040. Et du coup, ils ont fait des prospectives en fait sur les problèmes liés à l'hyperconnexion, donc à la digitalisation des outils, et donc au fait que aujourd'hui on passe en moyenne 10 à 12 heures par jour devant des écrans digitaux. C'est par exemple l'équivalent pour un Anglais de 8 ans de sa vie totale assis, en position assise. Donc c'est énorme. Donc cette statique, elle a effectivement une conséquence sur la partie corporelle et notamment sur la partie circulatoire, hein, puisque notre chère Emma, elle a des poteaux, elle a des varices liées en fait au fait qu'elle est en permanence en statique assise. Elle est légèrement bossue aussi parce que du coup, liée à la mauvaise posture face aux écrans, elle a tendance en fait à se voûter. Et ça voilà, il y a une évolution corporelle physiologique. Et puis, sur toute la partie liée de la face, elle a les yeux rouges, notre chère Emma, parce que quand on passe 10 à 12 heures par jour devant des écrans digitaux, on cligne moins des paupières, donc on dessèche en fait la cornée, on stimule beaucoup trop les muscles oculaires externes et internes, et donc ça crée en fait des problématiques oculaires. Elle a aussi une pilosité, une surpilosité au niveau du nez, parce qu'elle évolue aussi dans un environnement intérieur et on sait que le milieu intérieur est beaucoup plus pollué en fait que le milieu extérieur. Et puis, le fait de travailler en permanence avec des tâches répétitives et notamment au niveau du poignet, ça déclenche aussi des problématiques de canal carpien et un gonflement en fait, des articulations. Mmh. Voilà, donc ça, c'est effectivement les risques qui ont été mis en avant et ce qui nous attend en fait si aujourd'hui on ne fait rien avec des actions de prévention qui peuvent être mises en place de façon simple en entreprise pour limiter en fait les dégâts et du coup pour faire en sorte que au final le collaborateur travaille dans des conditions optimales et surtout soit plus efficace et bien mieux dans son corps comme il peut être mieux aussi dans sa tête.
Alors rassurez-vous, hein, Emma, on lui a mis tous les mots possibles, hein, c'est-à-dire qu'elle a pas un ou deux risques, mais elle les a tous. Mais c'est vrai que ce petit personnage qu'on peut voir des fois lors des salons préventica, notamment en vrai, du coup c'est toujours intéressant. Ça fait un peu peur, mais ça fait, je trouve, une bonne prise de conscience, voilà, de ce qui peut se passer si jamais on ne fait rien. Léopold, on va commencer à essayer de voir un petit peu les solutions. Concrètement, comment on peut s'y prendre pour agir? Quelles sont les clés un petit peu pour toi pour agir de manière efficace? Alors, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, en fait, un des grands sujets de la digitalisation, de la mise en place du télétravail et du modèle hybride, c'est l'isolement du collaborateur. Qui dit isolement dit responsabilisation. Parce qu'on n'est pas entouré de son manager au quotidien, parce qu'on n'est pas entouré de ses collègues, etc. Donc, en fait, il y a tout un panel d'actions en matière de qualité de vie au travail qui ne va plus incomber à son organisation ou son collectif proche, mais à soi-même. Comme je vous disais, détecter les signaux faibles, avoir le bon bureau, le bon poste de travail, savoir couper, etc. Auparavant, c'était fait par une multitude, on va dire, de normes sociales, d'obligations sociales et de contraintes collectives. Aujourd'hui, beaucoup plus, ça va se faire en fait sur ses propres décisions. Est-ce que je décide d'arrêter à une heure précise? Est-ce que je décide de prendre la décision de faire des pauses, etc. Donc en fait, énormément du rôle de l'entreprise, quand je dis entreprise, c'est vraiment le collectif proche du collaborateur, va se retrouver sur les épaules du collaborateur. Donc l'objectif, c'est pas de dire bah, maintenant c'est toi qui es responsable, mais c'est de dire comment est-ce qu'on va faire pour accompagner le salarié dans cette prise de responsabilité. Tout comme un salarié qui devient manager, ce serait absurde, s'il n'a jamais été manager, de lui dire bah, tiens, c'est bon, tu es manager, merci, au revoir. Et bien, c'est absurde de dire à un salarié on va changer notre façon de travailler, mais on ne va pas te former à cette nouvelle façon de travailler. Donc, je pense personnellement qu'il y a différents grands axes qui sont primordiaux. Un, permettre aux salariés de comprendre sa propre situation. Donc chez Moodwork, c'est ce qu'on appelle de l'auto-évaluation, c'est-à-dire on a l'habitude dans les entreprises de fournir des questionnaires qui vont permettre de rassembler de la data pour permettre à l'entreprise de mettre en place des actions qualité de vie au travail. Mais il faut imaginer la même chose au niveau individuel. Le salarié qui permet d'évaluer, ça peut être sa santé mentale, ça peut être sa santé physique, ça peut être son poste de travail, etc., pour avoir un aperçu concret de OK, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, et ensuite directement, bien sûr, d'avoir des pistes d'évolution pour pouvoir améliorer cette situation qu'il a pu découvrir. Donc, à travers de l'auto-formation, de la formation tout court, hein, en présentiel, en visio, ce qu'il souhaite, et bien sûr, un accompagnement humain. Et quand je dis accompagnement humain, il y a certes tout le panel de spécialistes qui peut aller accompagner le collaborateur, hein, des psychologues, des ergonomes, etc. Mais aussi, bien sûr, tout ce qui est interne à l'entreprise. Parce que quand on remodèle l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, eh ben, il ne faut pas oublier que le salarié, il y a ce qui est proche de lui, il y a son quotidien de travail, mais il y a aussi, on va dire, des responsabilités, des personnes dans l'entreprise qui peuvent accompagner le collaborateur de façon temporaire, on va dire une fois de temps en temps. Les RH, la médecine du travail, psychologue du travail, etc. Toutes ces personnes-là, il faut les remettre dans le quotidien du collaborateur pour qu'il puisse les solliciter quand il le souhaite. Et une dernière chose que je dirais, parce que là j'ai été très axé santé mentale et accompagnement du collaborateur, je pense que, enfin même deux choses. Une première, la place du manager, qui doit être complètement revue. Bon, on en a déjà souvent parlé de le manager n'est pas le bon opérationnel, c'est celui qui sait gérer son équipe, etc. On l'a dit, on l'a rabâché, et donc je vais le redire une dernière fois. C'est primordial d'aller là-dessus, surtout dans un modèle hybride, parce que le collaborateur est encore plus seul, donc le manager doit prendre beaucoup plus le temps d'aller vers chacun des collaborateurs. Donc ça, c'est pour moi un sujet très important. Et la dernière chose, qui est, quand on parle de qualité de vie au travail, il ne faut pas oublier, c'est une personne qui me l'a beaucoup dit et donc j'aime beaucoup, la qualité du travail. Et dans la qualité du travail, c'est comment est-ce que je fais mon travail, comment est-ce que je m'organise, est-ce que j'ai les bons outils. Quand on change de façon de travailler, il faut aussi repenser la façon dont je travaille. Donc, qu'est-ce que je fais, à quel moment, etc. On a eu tendance à croire que le modèle hybride, c'était bah, génial, parfois je suis chez moi, parfois je suis au bureau. Bah, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin parce qu'on peut en tirer des bénéfices. Qu'est-ce que je fais quand je vais au bureau? Qu'est-ce que je fais quand je suis chez moi? Et en plus de gagner en qualité de vie au travail, on va gagner en productivité. Et donc, c'est ce qui va permettre de faire en sorte que tout le monde soit gagnant.
le collaborateur, l'entreprise, le collectif. Et Mariana, par rapport à ces différentes parties prenantes, il y a beaucoup de textes de loi, de législation. Comment on peut s'y retrouver? Quels sont un petit peu les points à retenir selon toi et à avoir en tête justement pour pouvoir agir? Il y a une évolution majeure en matière de santé, santé au travail. Il y a la loi du 2 août 2021 qui est entrée en vigueur le 31 mars dernier, qui responsabilise davantage l'entreprise sur le domaine prévention. D'ailleurs, la médecine du travail, elle évolue. Aujourd'hui, on parle de médecine de la prévention santé. Et je pense que le mot clé à retenir, c'est prévention. Il faut se dire qu'aujourd'hui, 98% de nos dépenses santé vont vers du curatif. On a très peu investi en France sur la prévention santé et on est très en retard par rapport à d'autres pays européens. Donc, l'entreprise aura un vrai rôle à jouer en la matière parce que vous accompagnez le collaborateur à des différentes étapes de sa vie professionnelle et finalement, ça fait du sens, encore une fois, pour les logiques de compétitivité et de fidélisation, que ce rôle prévention santé soit porté aussi par l'entreprise. Dans la loi du 2 août 2021, par exemple, on réintroduit tout ce qui est bilan santé pour les collaborateurs à des moments clés de sa vie professionnelle. À 25 ans, vous rentrez dans la vie professionnelle, à 45 ans, vous êtes au milieu de carrière, à 65 ans, vous vous préparez pour la retraite. Donc ça, c'est un accompagnement qui est prévu. On essaie de décloisonner aussi tout ce qui est médecine du travail de la médecine du ville. Aujourd'hui, on peut proposer à des médecins volontaires qui pratiquent en ville de venir en entreprise pour faire ces campagnes d'information et sensibilisation. Et je pense que ça, c'est une vraie avancée en la matière. Parce que Nathalie parlait tout à l'heure d'Emma, mais c'est sûr que ça passera par la prévention santé, ça passera par l'information du collaborateur et par des gestes qu'on adopte maintenant et pas plus tard. Pareil, dans les évolutions réglementaires, ou en tout cas qui vont être attendues sur le prochain quinquennat, le nouveau président élu parle beaucoup de la santé des femmes. Je pense que c'est un enjeu sur lequel l'entreprise pourra beaucoup accompagner. Parce qu'on voit aujourd'hui 4 femmes sur 5 ne prennent pas soin de sa santé et la crise sanitaire a accentué encore ce phénomène. Donc, il faut regarder la loi de août 2021, il faut regarder le nouveau rôle de l'entreprise en matière de prévention santé, il faut regarder les synergies qu'on va réussir à créer entre la Caisse nationale d'assurance maladie, les assurances complémentaires mutuelles, et ce décloisonnement médecine de ville, médecine du travail. C'est très intéressant. Et justement, Gaëlle, si là on parlait des tendances actuelles, si on essaye un petit peu de se projeter vers le futur, quels sont selon toi les nouveaux modèles un petit peu de prévention? Mariana insistait beaucoup sur ce mot de prévention. Si on essaye de faire un petit peu de prospective, quels seraient un petit peu selon toi les modèles à venir? Alors, pour moi, le bilan santé, c'est une première étape. Par exemple, dans les entreprises, on le faisait beaucoup pour les membres du COMEX. L'enjeu demain, c'est de se dire comment je peux l'appliquer à l'ensemble de mes collaborateurs. En faisant finalement venir les praticiens au sein de l'entreprise, que ce soit en présentiel ou finalement via la télémédecine, via des campagnes de sensibilisation et d'information, le digital aura un vrai rôle à jouer en la matière. Mais c'est sûr que déjà, ce premier bilan santé, il est important parce qu'il permet de pointer assez tôt des problématiques santé. Je prends le risque cardiovasculaire, par exemple, c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Ça arrive beaucoup à partir de la quarantaine. Faire un bilan en amont, ça permet éventuellement de réduire la mortalité par rapport aux causes cardiovasculaires. Le sport, pour moi, c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, plus de 80% des salariés français ne font pas suffisamment de sport. Le télétravail a accentué encore cette tendance. Pareil, je crois que l'entreprise, c'était une action qu'on mettait déjà en avant depuis des années parce que la pratique sportive, c'est dans les premières pratiques que les entreprises ont adoptées. Il faut accélérer, encourager ce mouvement, surtout quand on est en télétravail avec des journées chargées et des visios qui s'enchaînent toute la journée. Et après, je pense qu'il y a une ouverture finalement de l'enjeu santé, du regard santé que l'employeur peut avoir. Moi, quand j'ai lancé ma start-up en disant je vais faire rentrer la santé dans les entreprises et je vais faire prendre conscience d'un enjeu commun, on m'avait dit la santé c'est un sujet tabou, on ne parle pas la santé du collaborateur, ça le concerne. Je pense qu'il faut avoir une ouverture sur ce sujet-là, accepter que le collaborateur peut avoir un rendez-vous médical, accepter qu'il puisse prendre le temps
d'aller faire un bilan santé, de faire un contrôle chez un dermatologue, par exemple, même si ça implique qu'il bosse son après-midi, etc. Il faut parler santé parce que finalement, encore une fois, la santé du collaborateur a un impact sur la vie économique de l'entreprise et un coût trop important pour laisser de côté et faire évoluer que dans du curatif. Ah, tout à fait. Et Gaëlle, quelle est un petit peu ta vision, toi, sur les nouveaux modèles à venir ? Oui, alors comme l'a dit Mariana, il y a des sujets qui sont au niveau méta en termes d'organisation, en termes de management. Il y a des sujets évidemment très concrets d'équipement. Moi, je m'attache beaucoup aux éléments liés à la pédagogie. Et en termes de pédagogie, la prévention, évidemment, ça veut dire transmettre des informations, des connaissances, des conseils. Mais c'est surtout déconstruire certaines idées reçues, aider les gens à abandonner certaines habitudes nocives et au contraire les aider à en adopter de nouvelles qui vont être meilleures pour leur santé. Or, ça, c'est quelque chose qui est hyper difficile. On peut tous se ramener à… on n'en a pas forcément chaque année, mais nos bonnes résolutions du 1er janvier, par exemple, combien on est arrivé à en tenir. Or, par définition, c'est quelque chose qui va nous tenir à cœur, sur lequel on est très volontaire. Et quand il y a des sondages qui sont faits sur le sujet, bah, c'est moins de 15% des bonnes résolutions qui sont tenues. Or, c'est vrai qu'elle concerne souvent des questions de santé. Je vais me mettre au sport, justement. Je vais faire un régime. Je vais arrêter de fumer, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose de très, très compliqué. Et comment on fait ? Alors, en entreprise, traditionnellement, on mettait des gens dans une salle. Et puis, pendant une heure, deux heures, une journée, on leur demandait d'écouter quelqu'un qui allait leur expliquer ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, ça… globalement, quand même, on le fait plus, ou en tout cas, les entreprises le font de moins en moins. Et il y a une très bonne raison pour ça, c'est que on s'est aperçu que ça coûtait cher et surtout que c'était très peu efficace. Et pour comprendre pourquoi c'est peu efficace, en fait, on peut avoir le regard notamment des sciences cognitives. D'abord, c'est un moment qui est très descendant, top-down, où le collaborateur va être assez passif si ça se fait dans ces conditions-là. Et puis ensuite, même si les contenus dispensés sont extrêmement valides et intéressants, ils vont être victimes de ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. C'est-à-dire que même tout ce qu'on est en train de dire là, dans 10 minutes, les gens qui nous écoutent en auront oublié 50%, dans 24 heures, 70% et dans une semaine, 90%. Et si tout va bien, les 10% restants, ça sera les choses importantes qu'ils auront retenues, mais pas forcément. Donc, en fait, il faut sortir de ces modèles, en trouver de nouveaux qui vont permettre d'inscrire plus ces sujets dans le quotidien, d'amener un fil rouge et vraiment d'ancrer les choses au jour le jour. D'où de nouvelles solutions, de nouvelles propositions, de nouveaux dispositifs qui peuvent relever du micro-learning, qui peuvent relever du coaching, pas forcément digital, en présentiel, qui peuvent être des assistants digitaux. Mais là encore, ces solutions, elles font face à un défi, c'est qu'il faut dispenser le bon contenu au bon endroit et au bon moment. Et donc, pour ça, il faut vraiment s'assurer qu'on va intervenir au plus près des usages des collaborateurs sans leur demander d'efforts supplémentaires, de prise en main, d'installation, etc. Et aussi de trouver la bonne façon de s'exprimer à eux, donc des contenus qu'ils vont avoir envie de consommer, on va dire, et surtout pas être dans une posture de stigmatisation ou de culpabilisation, parce que moi, lire quelque chose qui va me dire que je suis nulle parce que je fais tout mal, je vais dire ok, d'accord, je devrais pas faire ça, mais je vais pas avoir envie demain de lire, de relire, etc. Donc vraiment d'être dans une tonalité qui va être engageante
qui va éventuellement jouer sur l'humour, parce que déjà, ça aide à la mémorisation, mais en plus, ça donne envie. Et surtout, voilà, de permettre aussi des choses qui vont se faire, tout comme insistait Léopold précédemment, sur l'autonomie, c'est-à-dire s'adapter et proposer des parcours individualisés, à la fois en termes de contenu, mais aussi de mode d'accès, c'est-à-dire que je peux avoir envie de choses qui vont m'être envoyées, parce que comme ça, je n'ai pas besoin d'y penser, je me laisse porter et ça ne rajoute pas à ma charge mentale, au contraire. Mais je peux avoir aussi besoin d'avoir accès à tout moment, c'est-à-dire pendant ma journée de travail ou au contraire le soir ou à d'autres moments, à certaines informations, certains conseils. Donc vraiment de favoriser effectivement l'autonomie dans cet accès à la prévention. Léopold, est-ce que tu aurais envie de compléter les visions données par Mariana et Gaëlle ? Moi, écoutez, moi j'ai trouvé ça très clair et très intéressant. Nous, chez Moodwork, on est vraiment axé santé mentale, donc j'ai trouvé ça très intéressant, Mariana, d'avoir un aspect un petit peu plus santé physique, parce que c'est vrai qu'on le ressent de plus en plus sans les trajets. On a vraiment un phénomène de sédentarisation qui est potentiellement très dangereux, et je parle pour chacun et sociétalement. Et donc, je trouve ça très important, en effet, de réintégrer dans l'entreprise les sujets de sport. Oui, et puis rien que pour vous en rendre compte, hein, regardez votre monde connecté, votre smartphone, le nombre de pas que vous faites dans la semaine quand vous allez au bureau ou à des rendez-vous, et le nombre de pas que vous faites quand vous êtes en télétravail, ça fait mal généralement après une journée en télétravail si vous n'allez pas faire une pause en marchant ou si vous ne sortez pas à midi ou en fin de journée. Donc c'est vrai qu'au quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose qui, au fil des mois et au fil des années, peut avoir des conséquences assez, assez lourdes. Nathalie, je me tourne vers toi pour la conclusion avant de passer aux questions du coup des gens qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut faire un petit point par rapport peut-être à l'étranger? Est-ce que ça peut être intéressant de voir un petit peu où en est la France par rapport à d'autres pays? Est-ce qu'on a notamment des choses qui pourraient nous inspirer? Alors effectivement, si on revient sur la situation en fait d'aujourd'hui, là où on pensait que la santé ne pouvait pas rentrer dans le cercle professionnel, finalement on s'aperçoit que c'est possible parce que un, il y a une prise de conscience, deux, il y a un cadre législatif, Mariana en a parlé tout à l'heure, qui se met en place avec la loi travail. On parle désormais de service prévention santé au travail, donc cette notion-là, elle est vraiment en fait intégrée physiquement, mais aussi dans les esprits. Et puis, on a aussi des enjeux en fait à relever, l'enjeu de santé mentale et physique dont on a parlé tout au long de ce webinaire. Et puis derrière, en fait, un enjeu en fait financier hyper important pour les entreprises. On parle de 100 milliards de budget annuel par les entreprises françaises. Voilà, c'est un budget non négligeable et sur lequel en fait la prévention, avec une intervention en fait en amont et donc moins de risques in fine, pourrait du coup ce budget pourrait être largement diminué. Alors on est en progrès, on est sur la bonne voie. Maintenant il y a effectivement des pays, notamment les pays outre-Atlantique, qui sont beaucoup plus en avance que nous sur cette prévention santé au travail, avec notamment en fait un parcours de soins qui intègre en amont, très en amont en fait, les mutuelles qui vont proposer en fait aux entreprises des dépistages, un parcours de soins préventifs sur un certain nombre d'examens en fait à réaliser, un petit peu comme ce qu'expliquait tout à l'heure Mariana sur le fait de prévenir par exemple des problématiques dermato, mais ça aussi ça peut être des problématiques liées au RPS par exemple ou aux AVC, etc. Donc là il y a aussi tout un parcours de soins en fait à mettre en place, donc la voie est libre, la voie est ouverte pour aller au-delà et du coup pour améliorer les conditions de travail, les conditions de santé en fait des collaborateurs et minimiser les coûts.
Oui, il y a aussi des choses intéressantes au Canada avec une norme aussi santé au travail. On voit que les modèles sont différents, les systèmes de santé aussi sont différents, ce qui explique aussi pas mal de choses. Mais c'est intéressant en effet d'avoir des visions un petit peu différentes. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors j'en ai une qui est un petit peu décalée par rapport à ce qu'on s'est dit par rapport au monde du travail. Mais on a Céline qui se demandait par rapport aux travailleurs indépendants qui sont aussi de plus en plus nombreux. Les entreprises, si on prend l'écosystème au sens large, ont beaucoup de freelance avec lesquels elles travaillent. Est-ce qu'ils sont, selon vous, livrés à eux-mêmes par rapport à leur en matière de prévention santé, ou est-ce que vous avez entendu des bonnes pratiques, des initiatives, des structures, des organisations qui peuvent les accompagner ou les aider? Je ne sais pas qui veut répondre. Je veux bien donner mon avis. Vas-y. Je crois qu'aujourd'hui, notamment avec les histoires des livreurs à Paris, etc., c'est un sujet qui sensibilise de plus en plus les entreprises, ou du moins, sans voir que du positif partout, les entreprises ont un petit peu plus peur de ce sujet. Donc je pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui font appel à des freelances de façon récurrente, quand on fait appel à un freelance pendant une semaine et c'est tout, on ne va pas mettre en place des outils de prévention de sa santé mentale et physique. Par contre, en effet, je pense que les entreprises qui font appel de façon récurrente, c'est un sujet qui les touche de plus en plus. Parce qu'en effet, ce n'est pas parce qu'on est lié avec un contrat de travail qu'on doit plus prendre soin des gens, même si c'est le cas légalement. Mais en tout cas, je crois que les entreprises sont de plus en plus sensibles sur le sujet. Et plus on va aller vers du freelancing, plus je pense que légalement, il va y avoir de quoi protéger ces personnes-là qui aujourd'hui ne sont pas protégées par leur contrat de travail. Effectivement, hein, les écosystèmes de l'entreprise, ils sont de plus en plus ouverts. En début d'événement, là, je parlais de la symétrie des attentions, clients, collaborateurs. Mais ça fait partie, c'est une troisième voie dans l'écosystème, c'est effectivement tout l'écosystème freelance qui, dans certaines entreprises, devient très important et auquel les collaborateurs peuvent être tout à fait sensibles. Alors, selon les jeux internes, notamment du dialogue social, ça peut être un petit peu compliqué. Certains peuvent avoir tendance à plutôt protéger leur propre catégorie que les autres, mais au contraire, certains sont vraiment très, très sensibles au fait que cette tendance économique à externaliser un certain nombre de fonctions et de tâches dans l'entreprise ne produisent pas le fait d'une moindre effectivement protection, quelle qu'elle soit, y compris de la santé, des personnes qui vont produire finalement pour l'entreprise au global. Après, sans être forcément des démarches très, je dirais, très abouties ou en tout cas exhaustives, quand on travaille dans des tiers-lieux, quand on est freelance, quand on va dans des espaces de coworking, il y a aujourd'hui de plus en plus de services liés, alors au bien-être au sens large, mais ça peut être des séances de sport, ça peut être des choses liées aussi à la prévention en matière de santé mentale. Donc, c'est intéressant aussi, je pense, pour les freelances de s'inscrire voilà, dans des espaces comme ça qui peuvent être voilà, aussi source de, là encore, voilà, de permettre d'avoir des choses qu'on ne peut pas avoir forcément quand on est tout seul chez soi. On a une question de Xavier qui nous demande par rapport aux organisations professionnelles et aux mutuelles. En effet, elles s'engagent de plus en plus dans des démarches de prévention auprès de leurs adhérents. Est-ce que du coup, c'est des choses voilà, sur lesquelles vous voulez réagir? Alors, elles ont la plupart d'entre elles maintenant des plateformes en fait d'accompagnement de coaching très en amont sur différentes thématiques à la fois santé mentale et aussi à la fois santé physique. Voilà, ça dépend en fait du package disponible dans le contrat en fait initial, mais il y a une réelle prise de conscience en fait sur ces problématiques en amont et sur la volonté aujourd'hui des mutuelles françaises d'investir en fait la santé beaucoup plus en amont avec voilà, des tips, des conseils prévention et voire du coaching.
Oui, tout à fait. Il y a pas mal d'exemples. Moi, j'en connais un bien en particulier qui est par exemple Generali, qui est un programme qui s'appelle Vitality et qui justement est dans cette démarche de prévention pour que les adhérents fassent plus de sport, ce dont on parlait, et du coup prennent soin d'eux au quotidien. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ça peut du coup s'inscrire, je trouve, dans des démarches sur le long terme. Il y a une question, Léopold, Avec qui. Oui, Mariana. si je peux juste me permettre pour compléter, je pense que les mutuelles ont tout un enjeu d'accélérer sur la partie prévention. Après, toute la difficulté va être finalement la personnalisation parce que jusqu'à là, c'est vrai qu'on était un peu sur quelque chose à très haut niveau et qui s'adressait à l'ensemble des collaborateurs, patients, etc. Demain, l'enjeu, ça va être comment j'arrive à personnaliser l'expérience que je propose à un collaborateur, à un patient, à un utilisateur en fonction de ses besoins. Parce qu'en fonction de l'âge, en fonction de sa maladie, etc., on n'attend pas la même chose. Et donc, je pense que la digitalisation va beaucoup aider finalement à cette connaissance utilisateur final et à la personnalisation de l'offre qu'on peut lui proposer. Et l'anticipation de ses besoins, parce que à chaque fois qu'on est allé dans la personnalisation, finalement, on a vu le succès de l'usage qu'on peut faire d'une information, d'un programme d'accompagnement, etc. Donc, je pense que dans les prochaines années, l'enjeu, ça va être finalement la data et la connaissance utilisateur et la personnalisation du parcours santé qu'on peut proposer. Ah, c'est vrai, c'est un enjeu clé en effet. Et oui, Gaëlle? Oui, pour compléter, avec Nathalie, en fait, nos deux startups ont co-créé une solution en termes de prévention santé visuelle. Et typiquement, aujourd'hui, on travaille pour plusieurs mutuelles et c'est vraiment un sujet qui intéresse de nombreuses avec lesquelles on discute parce qu'elles se sont aperçues que si on fait rien, d'ici 2050, le nombre de myopies auront doublé. Et que pour elle, typiquement, c'est un surcoût énorme à terme. Et donc, évidemment, beaucoup d'intérêt à envisager ces enjeux en amont pour essayer d'éviter ces surcoûts, mais qui d'ailleurs concernent les mutuelles et par ricochet concernent aussi les entreprises. Oui. Parce que si les coûts des mutuelles augmentent, elles vont forcément aussi répercuter ça sur les montants des cotisations des entreprises. Donc, c'est un sujet qui doit être vu de façon globale. Il y a certes une temporalité qui ne va pas concerner tout le monde au même moment en termes de coûts, les individus, la sécurité sociale, les mutuelles, les entreprises, mais en tout cas, à terme, c'est de toute façon toute la chaîne de valeur qui est impactée et qui a intérêt à agir en amont en termes de prévention. Non, tout à fait. On a une question de Xavier qui devrait t'intéresser, Léopold, qui nous dit, Xavier, au-delà des actions des entreprises, un enjeu est aussi d'embarquer individuellement les collaborateurs pour qu'ils soient acteurs et non passifs dans les démarches. Ça doit te parler, Léopold. Ça me parle beaucoup en effet, parce que chez Moodwork, qu'on développe donc, comme je disais rapidement, des solutions d'accompagnement individuel des collaborateurs dans l'entreprise, donc qui sont payés par l'entreprise, mis à disposition des collaborateurs. Mais une fois qu'on a fait ça, en effet, on n'a pas fait l'ensemble du sujet. Il y a tout un sujet de sensibilisation, de communication et au final de mise en action de chacun des collaborateurs. Et là, ça va passer par énormément de communication, aller toucher les gens là où on a la corde sensible. Si vous dites à quelqu'un, est-ce que tu veux améliorer ta qualité de vie au travail? C'est trop flou. Il faut aller lui parler exactement de ce qui est son problème. Donc c'est pour ça, nous, notamment, on a des campagnes de communication trimestrielles sur des sujets qui sont très variés, avec non pas pour objectif que tout le monde se dise ça m'intéresse, mais que de la campagne 1, Monsieur Jean-Michel se dise, ah, ça c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai des problèmes de communication avec mon manager en ce moment, et que lors de la campagne 2, bah, ce soit Madame Micheline qui se dise, ah, moi, j'ai un problème, je crois, d'équilibre vie pro, vie perso, donc je vais y aller. Donc l'objectif, c'est pas de faire de la qualité de vie au travail quelque chose de très général, mais d'aller toucher les personnes là où on a la corde sensible pour faire en sorte qu'eux-mêmes décident de s'engager dans la voie de la prévention. Et ça fait écho, Gaëlle, à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une fois par an quelque chose de très descendant, très formel, l'idée pour vraiment impliquer les salariés et les rendre acteurs, c'est aussi que ce soit régulier, ancré dans le quotidien. Et du coup, on parle beaucoup des rituels, des routines, que c'est important que ça s'ancre Bien dans sûr. nos quotidiens, mais c'est vraiment une clé. Juste pour répondre rapidement, Fabienne, à ce que tu dis, c'est très important d'aller cueillir la personne au bon moment. C'est-à-dire qu'on a toujours on a des moments où on est prêt à évoluer, on a des moments où on n'est pas prêt.
Et il faut que la personne, au moment où elle est prête, elle se dise, bah, j'ai ce qu'il faut pour le faire. Et c'est ça, en effet, le problème des formations descendantes, c'est que moi, on me dit demain, tu as une formation sur le stress. Oui, d'accord, je ressens du stress de temps en temps, mais là, demain, je n'ai pas envie de faire ça, peut-être. Donc, c'est important d'aller accueillir les gens et, au bon moment. Désolé pour la parenthèse. Gaëlle ou Nathalie, vous voulez réagir? Sur la partie prévention, c'est ça? Oui, comment rendre acteur et impliquer justement Oui. les salariés concrètement? Alors, le fait effectivement de pouvoir changer les habitudes, hein, il faut l'ancrer dans le quotidien. Et donc, c'est cette répétition dont parlait Gaëlle au cours du webinaire qui va faire modifier, qui va accélérer en fait la mémorisation et le changement en fait de comportement. Et c'est vraiment vers, en tout cas pour ce qui nous intéresse et pour le sujet qu'on porte aujourd'hui, la santé visuelle, c'est vraiment en fait cette démarche qu'on a de pouvoir engager en fait le collaborateur vers un usage responsable des écrans qui va lutter en fait contre la sédentarité, contre tous les différents problèmes qu'on a évoqués sur le plan physique, mais aussi contre le stress visuel lié en fait à l'exposition aux écrans. Voilà, et je voyais une question là dans le chat intéressante sur la partie prévention et santé au Oui, travail. j'allais y venir. Oui. Et effectivement, en fait, la santé et prévention au travail, ça dépend aussi un petit peu de l'ADN. Par exemple, chez Orange, avec qui on travaille, on a monté en fait un projet auprès de développeurs qui, en fait, a été à l'initiative de la santé au travail, du service Service de médecin, médecine. du médecin au travail. Donc, c'est vraiment des éléments qui aujourd'hui prennent le pas. Et qui conforte en fait ce que disait tout à l'heure Mariana sur l'importance de la prévention et de la santé en entreprise. En fonction de l'ADN de l'entreprise, vous allez avoir en fait des leaders santé au travail qui vont prendre l'initiative d'aller modifier, d'aller apporter en fait des bonnes pratiques et des bons usages pour améliorer la santé de leurs collaborateurs. Donc c'est quelque chose qui se met en place de plus en plus au sein d'une grande mutuelle chez qui on intervient aussi. C'est aussi les infirmières et la médecine du travail qui ont pris le lead pour développer en fait et lutter efficacement contre les troubles visuels liés à la digitalisation. Donc il y a une dynamique en fait sur toutes les problématiques de santé et de prévention, qu'elles soient mentales ou qu'elles soient physiques. Oui, puis c'est génial, je trouve, de voir des collaborations entre eux. En effet, Rafik, dans le témoignage, nous disait dans sa question qu'il peut y avoir une image un petit peu, un déficit de visibilité de ces services-là. Donc, c'est intéressant qu'à la fois, ces services-là en interne soient moteurs pour proposer vos solutions digitales et les poussent, les portent. Et du coup, Léopold, vous aussi, dans Moodwork, ce qui est intéressant, c'est que vous mettez en avant aussi, justement, ces différents services. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de renvoyer vers l'infirmière, le médecin du travail en interne, que de mettre en avant ces acteurs aussi très important. Ouais, exactement. Alors, c'est l'objectif de Moodwork, et je pense que ça doit être la même chose pour la plupart des plateformes, c'est pas de court-circuiter l'existant. Parce que court-circuiter l'existant, je veux dire, si on est responsable de la prévention de trois cas de potentiel burn-out, mais que dans tous les cas, ils auraient été prévenus par quelqu'un d'autre dans l'entreprise, on n'a pas fait plus de prévention, on a juste déporté le rôle de la prévention de quelqu'un d'existant à quelque chose de nouveau. Auquel cas, ça n'a vraiment aucun intérêt et autant qu'on reste chez nous à faire autre chose. L'objectif, c'est donc en effet de donner une place qu'il n'avait pas au préalable aux acteurs de la prévention de l'entreprise déjà existants. Et je parle du RH, des CSE, de la médecine du travail et ainsi de suite, parce qu'ils ont un rôle à jouer qui est primordial et il faut les intégrer partout là où il y a de la nouvelle prévention, il faut que eux aient leur place. Non, c'est important. Et on a un témoignage d'Emmanuel qui nous dit, en étant médecin du travail, il est indispensable de collaborer. Nous sommes les interlocuteurs, en effet, privilégiés en entreprise. Et je trouve ça super intéressant, vos différentes initiatives très concrètes. Et ça montre que c'est possible, que ça marche et que c'est déjà fait, du coup, dans certaines entreprises. Donc, tant mieux. Et je trouve que ça apporte du positif pour l'avenir aussi. Ben, je tenais à vous remercier tous les quatre parce que c'était très intéressant et très riche, je pense, pour justement avoir pas mal de pistes pour agir. Et ce que j'aimerais retenir aussi,
aussi, au-delà de la citation de Spider-Man tout à l'heure, c'est aussi la stratégie des petits pas. C'est ce qui ressort, je trouve, dans nos différences. C'est pas de faire la révolution non plus en entreprise, c'est de se dire que voilà, petit à petit, on peut mettre des choses en place, les ancrer dans le quotidien, et que bah, quand on parlait de sédentarité, ça passe pas forcément par plus de sport, mais par plus d'activité physique. Donc la marche, ça compte aussi. La fatigue visuelle, faire des exercices, des pauses dans la journée, c'est aussi tout important. Donc voilà, c'est aussi de se dire que c'est possible et qu'on peut agir, et vous l'avez vraiment montré très concrètement. Donc merci à tous les quatre. Je vous remercie pour votre disponibilité, pour ce temps d'échange. Passez une très bonne journée. Vous allez recevoir le replay par mail avec le contact de chaque intervenant, et comme ça vous pourrez aller voir les quatre startups et les contacter avec toutes les coordonnées. Nathan vous enverra un petit mail dans les prochains jours. Merci beaucoup. Merci Fabienne. Merci Fabienne. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.